Bonjour, voici comment copier ou déplacer des fichiers à l'intérieur de vos portails d'équipe dans l'info nuagique. Tout d'abord, rendons-nous à l'endroit souhaité où figure le fichier en question. Disons qu'ici, nous sommes dans le menu Administration sur le site Gestion de l'école. Vous voyez que sur ce site, on voit plusieurs dossiers. Ces dossiers-là font partie de bibliothèques de documents, comme par exemple la bibliothèque de documents communication, et je pourrais facilement déplacer un fichier d'un dossier à l'autre. Par exemple, je prends un fichier, je le sélectionne, ou enfin, je peux cliquer sur les trois petits points pour faire apparaître le menu soit déplacer vers ou copier dans. Soit j'en fais une copie dans un autre dossier ou je le déplace vers un dossier. Par exemple, ici, je vais le déplacer vers. Alors, par défaut, je suis dans la bibliothèque de documents logo. Je peux cliquer juste à gauche sur le site Équipe gestion de l'école pour voir apparaître l'ensemble de toutes les bibliothèques de documents qui contiennent différents dossiers. Alors, je vais retracer. L'endroit où je veux aller le déplacer, c'est la bibliothèque comme I10. Ce n'est pas nécessaire de le déplacer dans un dossier, je peux juste le mettre à la racine de la bibliothèque de documents. Voilà, il a disparu de ma bibliothèque logo. Et si je veux retourner sur le site gestion de l'école, je vais aller voir si ça a bien été déplacé dans la bibliothèque communication. Voilà, mes logos sont là. Lorsque on veut donc déplacer un fichier à l'intérieur d'une même bibliothèque de documents, c'est simple. Mais si je sors du site gestion de l'école et que je veux déplacer un fichier dans un autre site, par exemple, gestionnaire, c'est un petit peu plus complexe. Voici comment on fait. Toujours le menu des trois petits points déplacé vers, mais par la suite, si on se rend ici à gauche, on ne peut pas aller plus loin dans l'arborescence. Ça arrête sur le site sur lequel je me trouve à l'intérieur du portail, donc ici le site Gestion École. Pour rechercher un autre site, je vais être tentée de le rechercher avec son nom en haut dans le moteur ici, mais ça ne fonctionnera pas car la recherche est seulement bonne ici pour faire apparaître des bibliothèques de documents, fichiers ou dossiers qui sont dans le même site que sur lequel je me trouve. À gauche, on a l'option « Mes fichiers ». On n'ira pas déplacer vers « Mes fichiers » puisqu'ici, c'est vraiment l'équivalent de votre OneDrive. Si je clique ici, c'est mon OneDrive qui apparaît. C'est dans les accès rapides que je vais pouvoir retracer ma bibliothèque des gestionnaires. Ici, on peut voir que j'ai de petites épingles qui ont été apposées. C'est grâce à celles-ci que je vais pouvoir me rendre rapidement au bon endroit. Donc, par défaut, si vous n'avez pas d'épingles, ce sont les endroits les plus récents dans lesquels vous avez travaillé qui vont s'afficher. Il y a également en bas d'autres emplacements possibles. Toutefois, si vous naviguez parmi plusieurs portails d'équipe notamment, il se peut que vous ne retraciez pas rapidement l'endroit que vous souhaitez. Soit dit en passant, c'est un peu complexe puisque si je laisse mon curseur au même endroit, je vais voir le dossier exact auquel correspond cet emplacement. Sinon, tout ce que je vois, ce sont les premiers caractères de la bibliothèque de documents et ça ne m'indique pas nécessairement grand-chose. Je dois vraiment porter attention à ce qui est en dessous de ma souris. Présentement, je suis dans le portail STP, donc d'une école, Saint-Pierre, et je suis dans Gestion École, mais moi, je vais aller à un autre endroit que je ne vois pas ici apparaître là, dans mes accès rapides. Alors, ce que je vais faire, j'annule pour l'instant. Je vais aller dans la section où je veux déplacer mon document, c'est-à-dire direction gestionnaire. Et là, je vais sélectionner un des dossiers, celui dans lequel j'irai le plus souvent porter des documents. Et si j'en sélectionne un seul parmi la totalité, ça va me donner quand même l'opportunité d'aller le déposer dans d'autres dossiers par la suite. Alors, j'en sélectionne un, le plus fréquent que j'utilise, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que dans les trois petits points de ce dossier-là, je vais sélectionner « Épingler à accès rapide ». Et on se souvient qu'accès rapide correspond à la section de gauche qui me donne rapidement les endroits où je peux aller déplacer ou copier des documents. Alors, je clique sur « Épingler à accès rapide ». On me dit maintenant que ça a bien été épinglé. Voyons voir. Je retourne dans l'administration gestion de l'école chercher mon document. On se souvient que je l'avais déplacé dans les communications. Voilà, mes logos sont là. Et là, je vais aller cliquer sur mes trois petits points, le déplacer vers. Et dans mes accès rapides maintenant, ici à gauche, en bas,
il devrait avoir une dernière épingle. Si je laisse mon curseur dessus, ça correspond à l'équipe gestion de l'école. Oups, excusez. On va aller, c'est ici. Équipe gestionnaire, voilà, il est là. Donc, mon équipe gestionnaire, le dossier des rencontres, ça a bien été épinglé, d'où la pertinence hein, de promener son curseur pour voir vraiment de quel endroit il s'agit. Alors ici, c'est bien l'endroit que je recherchais. Donc, je vais cliquer sur l'équipe gestionnaire, le dossier des rencontres. Il y avait déjà un fichier à l'intérieur, pas de souci. Je vais venir cliquer pour déplacer ici mon fichier des logos 2024. Le déplacement est en cours et il devrait disparaître, voilà, de la bibliothèque des communications. On va se reporter dans l'espace des gestionnaires, donc le dossier rencontre, pour voir si mon fichier a bien été ajouté, il y est. Et là, puisque j'ai épinglé le dossier des rencontres, ça me donne une porte ouverte sur l'entièreté des autres dossiers qui font partie ici du site Équipe gestionnaire. Donc, si je retourne dans l'administration et que je veux prendre n'importe quel autre document pour aller le déplacer, je pourrais venir comme ça, déplacer mon document et là, retracer l'endroit ici, équipe, gestion, mon dossier rencontre, mais ce n'est pas dans le dossier rencontre que je veux le mettre, ce n'est pas grave, je clique quand même dessus et je n'ai qu'à cliquer juste devant sur équipe gestionnaire pour aller dans n'importe quel autre des dossiers qui font partie du site équipe gestionnaire. Alors, ça me permettra de sélectionner le dossier souhaité, par exemple, justement, peut-être encore les rencontres, et de venir le déplacer à cet endroit-ci. Voilà, en espérant le tout utile.